Bonjour, c'est bien moi, le prophète Yves Namoyo. Je voulais parler d'un sujet sur l'idée globale, mais l'idée sur la Bible, la parole de Dieu, et pourquoi la Bible. Alors, quand on m'a confié ou on m'a donné ces thèmes ou ces sujets, de pouvoir discuter avec vous pendant quelques poussières de minutes, et j'aimerais simplement faire comprendre aux gens qui me suivent, ou les personnes qui sont connectées ou qui seront connectées pendant qu'ils vont suivre cette vidéo. Donc, j'aimerais que les gens sachent ou qu'ils comprennent que la Bible, d'abord, c'est une pensée inspirée de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est, je dirais, c'est le code de route pour tout enfant de Dieu ou tout chrétien. Et ce que nous devons savoir de cette parole, c'est une parole qui a beaucoup d'inspiration. C'est une parole qui a beaucoup de, je dirais, beaucoup de valeurs, beaucoup de principes pour pouvoir nous aider à bâtir même nos vies, à bâtir nos entreprises, à bâtir nos foyers et à bâtir tout ce que nous avons besoin pour pouvoir avancer. La parole étant qu'inspirée de Dieu, c'est une richesse pour les gens qui regardent ou qui s'aperçoivent par rapport à leur vie ou les gens qui essaient de comprendre en réalité ce que Dieu veut faire avec eux. Moi, je fais une expérience avec la parole du Seigneur qu'à chaque fois que je me mets ou à chaque fois que je me donne, non seulement qu'à lire, mais à pratiquer ce qui est écrit dans la Bible, il y a comme, une sorte d'énergie qui se manifeste à moi. C'est-à-dire que non, il y a une puissance si naturelle qui se développe à moi et je le constate dans plusieurs choses. Je vois comment les choses fonctionnent autour de moi, je vois comment je comprends certaines choses et je vois aussi comment je trouve des solutions sur des choses qui me paraissent un tout petit peu, qui me paraissent plutôt un tout petit peu comme, je dirais, comme des difficultés. Mais grâce à cette parole, j'arrive à cerner, à comprendre la vie, à comprendre un certain nombre de choses. J'aimerais encourager beaucoup de personnes qui nous regardent, qui sont lecteurs ou qui sont amoureux de la parole du Seigneur, de continuer à s'approvisionner, de continuer à s'inspirer de cette parole qui est la pensée unique ou je dirais la pensée globale de Dieu pour l'homme, pour l'humanité, même pour l'éternité. Cette parole inspire beaucoup de personnes, cette parole peut t'aider à construire ton foyer, à construire ton entreprise, à construire tout ce que tu as à faire, à construire beaucoup de choses que tu fais. Et au fur et à mesure que tu deviens, je dirais, tu commences à s'habituer à ça, tu commences à faire de cette parole le centre de ta vie, le centre de plusieurs choses, croyez-moi que vous allez observer un changement énorme, un changement qui va prendre place, un changement qui va vous aider à construire plein de choses pour votre avenir. Donc, cette parole qui est inspirée, qui a été écrite par plusieurs auteurs sacrés qui ont reçu la révélation de la part du Seigneur, ces hommes ont été inspirés parce que Dieu voulait nous communiquer quelque chose, Dieu voulait partager avec l'humanité quelque chose d'important pour pouvoir nous aider à avoir une idée globale de ce que c'est Dieu, une idée globale de ce que c'est la pensée de Dieu, le plan éternel de Dieu, le but de Dieu. Et tant que nous travaillons d'une manière étroite avec cette parole, nous travaillons d'une manière, je dirais, beaucoup plus cohérente avec cette parole, écoutez, nous assurons beaucoup de choses par rapport à notre vie et nous activons aussi certaines choses qui semblaient être, je dirais, un tout petit peu lourde pour certains défis qu'on a à relever. Mais cette parole nous donne assez d'éléments. Cette parole, c'est un équipement important et qui nous aide, comme je l'ai dit au départ ici, de cette vidéo. C'est un équipement important pour chaque enfant de Dieu de pouvoir construire et faire ce qu'il y a de mieux par rapport à sa vie. Je l'ai dit tantôt avant de commencer cette vidéo que
On va parler pendant quelques poussières de minutes autour de la parole de Dieu, cette parole inspirée, cette parole remplie de révélations, cette parole remplie de sagesse, cette parole remplie de principes qui nous aident, comme je l'ai dit, à construire nos vies, à bâtir et à faire ce dont nous avons besoin. Donc, je vous encourage tous, ceux qui n'ont pas peut-être encore la compréhension d'une manière claire ou ceux qui n'ont pas peut-être l'habitude de passer du temps dans la parole, imprégnez-vous de cette parole parce que cette parole vous donne tant de choses que vous avez besoin. Cette parole vous donne l'équilibre, cette parole vous permet de faire beaucoup de choses pour pouvoir, je dirais, générer tant de gains, tant de gloires, tant de bénédictions en rapport avec votre vie, votre destinée ainsi que votre foyer. Écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps de lire la parole, prenez le temps d'étudier cette parole, de s'habituer à ça, d'apprendre à connaître cette parole. Cela vous fera du bien et vous donnera assez d'éléments pour pouvoir faire face à plusieurs défis de la vie afin que Dieu vous accorde encore sa bonté. Écoutez, que le Seigneur vous bénisse. C'était bien moi, le prophète Yves Lamoyo depuis le Canada. Merci, au revoir.